Nous apprenons ce mardi auprès du tribunal militaire d'Abidjan, TMA, que des éléments de la gendarmerie en patrouille dans la nuit du 18 au 19 septembre ont interpellé un jeune étudiant de nommé Tia qui l'ont embarqué dans leur véhicule de service. Des instants plus tard, le jeune Tia a été projeté hors du véhicule. Un véhicule roulant à vive allure l'a par la suite percuté. Ces gendarmes, après leur forfait, ont pris la fuite. Les parents de la victime se sont rendus ce mardi 21 septembre 2021 au TMA à Cocody-Engrais pour saisir le commissaire du gouvernement, le contre-amiral, Ange Kessy, et porter plainte. Disposant de quelques preuves, images, vidéos, plaques d'immatriculation du véhicule, qu'ils ont remis au parquet, ce dernier annonce avoir immédiatement ouvert une enquête pour donner une suite judiciaire à cet acte irresponsable des gendarmes mis en cause. Affaire à suivre.